Mm-hmm.
3, 2, 1, tout fonctionne à la perfection. « 3512e essai. » J'en perds mon latin. Deux boîtes de flageolets à l'eau de boudin, un chou au vinaigre et un verre d'aioli, ça aurait dû fonctionner. C'est ici. Une parfaite herte lancement et nous serons tranquilles pour travailler. Igor, décharge le matériel. Non. Ah, je crois que c'est un camion de l'armée. J'en ai déjà vu à la télé. Ils ressemblent plus à des scientifiques. Oh, vous avez vu la taille de ce télescope? Tâchons de découvrir ce qu'il mijote. Le temps de faire la mise au point. Elle est là! La rouge planète mit der Hannover dans la nébuleuse du crabe. L'objectif de notre mission. La nébuleuse du crabe? La rouge planète? Un anneau vert? C'est notre planète! Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Chers confrères, excusez-moi et souffrez que je me présentasse. Octavius Deltoïde, président de l'Institut d'astronomie locale. Puis-je vous être un quelconque utilité? Salut, je suis le professeur président du PISP, d'assiste professeur und Igor Space Programme H. Nous nous apprêtons à lancer une fusée sur la rouge planète Mitter à nos fers. Exact, Igor? Non. Good gracious. Vous aurez besoin de volontaires, j'en suis sûr. Nous avons justement quelques spationautes chevronnés au club. Fantastique! Ils ont le permis de conduire les fusées! Messieurs, vous êtes les heureux élus qui auront la délicate mission de voyager dans l'espace. Je crois que nous tenons notre billet de retour. Voici votre destination, Das rouge planète Mitter à nos fers. Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes. Cette photographie est la preuve de leur existence. Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie en vue de mon annexion de leur territoire. Ok, où est la fusée? N'aimez pas les chars devant les vaches, Dummkopf. Nous allons tout d'abord commencer par un entraînement adéquat. Je vois ce que c'est. Ça ne sera qu'une formalité pour nous. Et ensuite, au revoir. Qui sommes-nous? Des astronautes. Viens, petit crule. Igor, Mach 3. Serre-moi fort! Et je vais t'égotiller! Première épreuve réussie! Toutes mes félicitations! Ah, je me sens tout chose! Oh, mon estomac m'est monté au cerveau! Und maintenant, test de conductivité du courant électrique! Là, pas de problème! L'air n'a jamais été conducteur. Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars? Un petit 110 ou un petit 220 volts? C'est au choix. Bravo! Excellent résultat! Qui sommes-nous? Des astronautes! Messieurs! Qui sommes-nous? Des astronautes! Succès du test numéro 1 en non-apesanteur! Poserez pas maintenant, faites-le plein d'énergie avec les sachets de nourriture déshydratée! Faire le plein, moi ça me va, mais la nourriture déshydratée par contre... Fin de la pause! C'est qu'on teste en non-apesanteur!
puissance gravitationnelle maximum. On aurait besoin d'une aspirine. Après ça, dernier et ultime test. Non. Ouvre. Vous devez échapper à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle. Ces tests devraient séparer les faibles des forts. Ça aurait pu être pire. Oh, tu crois qu'on est prêt? C'est quand le test de la démission? Voyons, messieurs, c'est hors de question. Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès. Ouais! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test. Vous avez 2 heures pour construire le vaisseau spatial en kit. Voici les instructions détaillées. Assiduité. Et engagement. Début du compte à rebours, heure H-30 avant lancement. Oh, mamie! Oh, ton poussin rentre à la maison! On a oublié de mettre le manche à balai. Oh, quel nul! Edno, je crois qu'on a oublié un truc. Tout à l'heure, Bud. Ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre? Mes amis, faites vos valises. Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine au grand congrès scientifique des races sous-développées. La valise à moi, elle est toute prête. Oh, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne. Allez, mon vieux, on s'en va vers de nouveaux programmes. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Ces 2 hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont internés les fous dangereux. La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire. Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités. Hachez-moi 3 minutes, hein. Tout le monde apporte du faisceau. Lancement dans 1 minute et 30 secondes. Hé, hey, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée? Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes. Écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements. J'ai un train électrique à terminer. Ah, je crois que je vais manquer mon feuilleton à la télé. Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur. Je souffre de claustrophobie. Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin. Poulet mouillé, trouillard. Dire que je croyais que vous m'aideriez à coloniser cette planète, mais j'y arriverai tout seul. Je les capturerai et je les réduirai en esclavage. Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque, je serai seul à voir l'argent et la gloire. Nous avons décollé. À moi, fortune et célébrité. Pacistelance, nous défions de notre trajectoire. Igor, où est les manches à balai? Niet. Il nous raconte, j'en peux plus. C'est curieux, ils ont viré de bord. Ah, notre planète ne risque plus rien. Et sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bud, tu as sauvé notre planète. Nous faisons en paix. Priorité la crevette. Hey,
Et Cindy, j'étais là avant. Pourquoi est-ce que je suis pas fils unique? Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Qui t'a autorisé à jouer avec la baguette? Tu pourrais essayer de faire un peu moins de bruit, Tom? J'ai besoin de calme pour réviser ma chorégraphie de kung-fu. Mais c'est vrai, Tom, tu n'es pas tout seul dans cette maison. Soyons indulgents, il est encore petit. Mais un jour, il sera aussi raisonnable que sa sœur. Oh, je rêve, t'as même pas pris ma défense. Je suis neutre. Et peut-être même un peu lâche. Je vous ai fait des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Miam, miam. Mais arrête, c'est la mienne, rends-la-moi tout de suite, rends-la-moi, chenille. Tom, arrête d'embêter ta sœur, s'il te plaît. Elle a son entraînement, c'est normal qu'elle mange la grosse crêpe. Je te préviens, Cindy, un jour tu vas me pousser à bout et alors tu vas voir ce que tu vas voir. Ah ouais, je vais voir quoi? Vas-y, montre, allez. Papa! Oh, c'est gentil d'aider ta sœur à s'entraîner, Tom, mais j'ai l'impression que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Papa! Maman! Jojo a eu 2 places pour mercredi au Mondial du jeu vidéo et c'est moi qui l'invite, c'est génial, non? Mais tu sais bien que mercredi, on va tous voir ta sœur à son tournoi de kung-fu. Mais pourquoi c'est toujours Cindy qui passe la première? C'est pas juste! Tom, enfin, tu es d'un égoïsme! C'est important, ce tournoi! Mais je... Le jour où t'es sélectionnée pour le mondial des crevettes, je viens te soutenir, parole de grande sœur chérie! Traite-moi encore une seule fois de crevette et tu vas le regretter! J'en peux plus! Si tu veux donner une leçon à Cindy, et je pense qu'elle le mérite, il y a là quelques sorts assez amusants. Tiens, regarde, par exemple, tu peux lui faire pousser une grosse verrue sur le nez ou la faire carrément disparaître pendant 3 heures. Mais tu ne dis pas que c'est moi qui ai eu l'idée, d'accord? Tu sais bien qu'il n'est pas question que j'utilise la magie. Elle est encore en train de gémir, la crevette. Bien fait pour toi, Cindy, tu l'as pas volé ce coup-là. Mais qu'est-ce qu'il prend? De qui tu parles? C'est qui cette Cindy? Bah, Cindy! Ma sœur, bien sûr. Oh, j'ai pas envie de jouer, Tom. Tu n'as pas de sœur, alors arrête ton cinéma. Quel comédien pour un peu, je croirais ce que tu me racontes. Vous avez changé la chambre de Cindy? Hein? La chambre de qui? Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, c'est le bureau du papa de son Tominou. Cindy? Qui est Cindy? Monsieur le fils unique à son papa et à sa maman vient de s'inventer une sœur et il semble qu'il l'ait baptisée Cindy. Oh! C'est adorable, tu es trop mignon, mon Tominou. Oui! Moi, je voulais pas aller la voir à son tournoi de kung-fu et comme elle arrêtait pas de me narguer sur un coup de colère, j'ai lu la formule et pfouit, elle a disparu. Quelle imagination il a, notre Tom, hein, Grégor? Une fille qui fait des tournois de kung-fu. Mais où diable va-t-il chercher tout ça? Très bien. Si vous avez fini de vous extasier devant la 8e merveille du monde, on peut envisager de manger. Qu'est-ce que tu veux manger, mon Tominou? Parce que c'est moi qui choisis. Comme d'habitude. Cindy, elle adorerait ça.
Tiens, je suis passé t'acheter le nouveau jeu pour ta console Mega 580. Votre jeune console Mega 580? Non, tu en as trois. Notre fils unique le vaut bien, notre petite merveille à nous. Bouillou, bouillou. Oh, Grégor, regarde! Oh. C'est terrible! Tendre un bouton! Là! Oh, Tom a de la fièvre, vite! C'est une urgence, apportez un thermomètre! Appelez le président, le pape, alertez les Nations Unies! Si je puis me permettre, ce bouton n'est qu'une simple tache de sauce tomate. Maman va te faire ton massage du soir et pendant ce temps, papa va ranger ta chambre. Oh, elle est un peu abîmée. Demain, je passerai t'acheter le nouveau modèle. Ton histoire de Cindy, ça veut dire que tu te sens seule? Tu aurais envie qu'on te fasse une petite sœur? Pas la peine, Cindy va bientôt revenir. Mais si on croit ce que tu nous as raconté, elle devrait déjà être là depuis une bonne heure. Je comprends pas. Pourquoi Cindy n'est toujours pas revenue? Eh bien, j'imagine qu'elle a dû rater le dernier bus imaginaire et qu'elle a décidé de dormir chez une copine imaginaire. Logique. Bon, c'est pas la peine de paniquer. Je dors et demain, tout sera redevenu normal. Il ne faut pas non plus trop en demander dans ce monde. Ouais, c'est sûr, maintenant. Cindy! Oh... Oh, dis-moi, mon Tominou, qu'est-ce que tu aurais envie de faire mercredi prochain? Jojo m'a invité au mondial du jeu vidéo! Mais voyons, Tominou chéri, tu sais bien que nous ne voulons pas que tu ailles n'importe où! Il ne faudrait pas qu'il t'arrive quoi que ce soit avec tous les dangers du monde réel! Invite Jojo à la maison, vous serez en sécurité! Tant pis, je vais aller au mondial du jeu vidéo avec Théo. C'est dommage que tes parents te laissent jamais sortir sans eux. Cela dit, avec tous tes jouets, t'as de quoi faire. Non mais ça va pas, ça fait mal. Toi, quand est-ce que vous allez vous décider à remettre ce sale gosse pour y gâter à sa place? Oh, mais j'ai rien fait, moi, tant de féroce, y a cette Cindy, là! Ils ne peuvent pas me voir, ni m'entendre! Alors, frérot, t'es le roi et t'as papa et maman à tes pieds, t'es content, hein? Et en plus, maintenant, tout le monde m'a complètement oublié, t'as réussi ton coup, bravo! Non, tu te trompes. Je voulais juste te faire une blague pour te donner une leçon, mais ça a mal tourné. Je suis désolée, Cindy. Mais je vais tout faire pour que tu reviennes. Ouais, il y a intérêt. Parce qu'en attendant, le fils unique a un très gros problème. Ne le prends pas mal, mon Tominou. Mais tu ne trouves pas que parfois tu exagères un peu? Quand j'avais ton âge, on me trouvait absolument insupportable. Mais je dois dire qu'à côté de toi, j'étais un pur amateur. Aie confiance, Cindy. Je vais trouver la formule pour te faire revenir. À
Shabarabarabababou! Ashrabarakarabazooka! Parce que tu me demandes mon avis, je pense qu'à force d'être bourré gâté par des parents qui crient au génie dès que tu ouvres la bouche, tu es devenu cinglé au point de croire aux histoires délirantes que tu inventes. Je suis pas cinglé! C'est ce que disent tous les cinglés. Sois bien sage à l'école, mon petit Tom. On t'attendra tout à l'heure à la sortie. Tu m'en veux, mais on va trouver une solution, d'accord? Oh! Oh, c'est Clara qui sort avec Brandon! Oh oh, faut vite régler le problème avant que ça tourne très mal! Et tout ça, c'est ta faute! Oui. Ah non, attends, ça, j'y suis pour rien! Écoute, je te le redis que je suis vraiment désolée. Ouais, et ben moi pour moi, figure-toi. Mais si tu m'avais pas énervée en étant aussi méchante, dis-toi bien qu'on n'en serait pas arrivé là. Je parlais à l'abeille. Est-ce que c'est clair, l'abeille? Reviens ici. L'abeille. Salut, Jojo. S'il te plaît, Cindy, allez, faisons la paix. Oh, mais que vois-je? Tu as tes affaires de peinture. Et ce n'est que l'un de ses exploits, mais croyez-moi, ce n'est pas le pire. Boule puante, projection d'objets divers, saut de Tarzan sur les tables, inscription fantaisiste au tableau, et pour couronner le tout, une fois convoqué dans mon bureau... Tom s'en est pris à ma perruque, à ma coiffure. Quoi? Et en plus, tu oses me tirer la langue? Il faut le comprendre, le pauvre. Il a passé une mauvaise nuit. C'est bien, mon neveu, je suis fier de toi. Tes parents ont beau te pourrir, on va peut-être quand même arriver à faire quelque chose de toi. Papa va préparer ton lit pour un bon petit dodo et maman va te monter une belle tasse de chocolat. Je peux me débrouiller tout seul, arrêtez de m'étouffer à la fin. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces jouets? Je vais les donner. C'est ma sœur dont j'ai besoin. Je veux revoir ma sœur. Moi, je sais pas si j'ai besoin de toi, mais... Je ne supporte pas que cette pimpèche de Clara sorte avec Brandon. On négocie? Tu me traiteras plus de crevette. Ok, et toi, tu me piqueras plus mon lecteur MP3, juré? Ok, juré. C'était cette page, mais j'ai déjà essayé toutes les formules et ça marche pas. Mais il y a une note bizarre là. Tu l'as lu? Alors là, j'y crois pas. Pour que je revienne, il faut que les parents se souviennent de moi. Et comment, puisqu'ils m'ont oublié? Il doit y avoir un moyen de leur rappeler.
tu dois encore exister, même comme une faible lueur tout au fond de leur tête ou de leur cœur. Arrête la guimauve, Blanche-Neige, action! T'es encore sur Internet? Non, parce que moi j'ai un chat dans 10 minutes avec les copines. Waouh, qu'est-ce que t'as comme chance d'être fille unique? Mais attends, je suis pas comme ça! Ça c'est bizarre. Avec ce déguisement, il me rappelle quelqu'un. Vraiment? Hé, tu vois? Mais oui, mon chéri, c'est cette drôle de fille dans le film que nous avons vu la semaine dernière. Tom, je crois que tu as un problème psychologique. Mais avec mon aide, tu vas le surmonter. Qu'est-ce que tu vois là? Et là? Et là? Et là? Et... Et là? N'importe quoi, c'est pas du tout mon genre. Ça c'est marrant, on dirait un peu... Qui? Glutoria, l'ogresse qui habitait dans le bois en face de chez nous dans le monde féerique. Exactement, c'est à elle aussi que moi je pensais. Tu m'étonnes qu'ils ne me reconnaissent pas. J'ai rien à voir avec ce zombie tout flasque que tu joues. Je suis championne de kung-fu, tu te souviens? Tu pourrais pas arrêter de la ramener avec ton kung-fu. Ça devient un peu lassant à la longue. Mais t'as raison! Tom, pour tout te dire, je suis très inquiet. As-tu eu des étourdissements, des troubles de la vision, de la fièvre dernièrement? Ah! C'était très intéressant, Tom. Bravo! C'était pitoyable. Comment veux-tu qu'il se rappelle? Ton kung-fu est minable. Recommence et tu me suis cette fois, Tom. Ensemble, j'ai dit. Ok, ok, ensemble. Dans son état, le mieux, c'est de ne pas le contrarier. Je ne sais pas ce qu'ils ont attrapé, mais j'espère que ce n'est pas contagieux. Oh, laisse tomber, ça mène à rien. Et d'où vient cette obsession d'avoir une sœur, dis-moi? Remonte dans le passé, à tes premiers souvenirs. Surprise! Nous t'avons fabriqué une grande sœur, puisque tu as l'air d'en avoir tellement envie. Bonjour petit frère, tu veux tous t'aider à faire tes devoirs et après on pourrait faire un scrabble, c'est bon pour l'orthographe. Cette chose ridicule n'a rien à voir avec Cindy, elle est pas débile Cindy, elle est cool. Elle porte pas de chaussures vernies, toujours des baskets, c'est pour ça qu'elle sent tellement mauvais des pieds. Les baskets, mais oui c'est les baskets la solution. Papa, maman, j'ai lu quelque part que nos émotions les plus fortes étaient liées à des odeurs. C'est quoi ce délire? Et d'abord, j'ai jamais senti des pieds. Ma foi, c'est vrai que... C'est pareil que l'odeur de Cindy. Cindy, elle est là, regarde. Oui, cette odeur et ce rire. On pourrait pas se concentrer sur le rire plutôt que sur l'odeur. Je me souviens, Grégor, il y avait une grande fille qui laissait traîner ses chaussures partout dans la maison. Oui, et elle laissait aussi plein de cheveux blonds dans le lavabo. N'importe quoi de n'importe quoi. Cindy. Cindy. Cindy.
cette fois, je m'en souviens. Ça va être super génial, vous allez voir, j'ai tellement hâte d'y être. Oh, Cindy, t'es enfin revenue, je suis tellement content que tu sois là. Mais t'es cinglée, tu veux bien arrêter de me coller? Qu'est-ce que t'es marrante, ça va être trop bien d'aller voir ton tournoi de kung-fu demain. Oui, bon bah lâche-moi, d'accord? Je crois que je préférais quand tu gênais tout le temps. Tom, tu veux arrêter de t'agiter, s'il te plaît, on va dîner. Papa, tu es redevenu sévère et grognon. Eh bah, j'ai comme l'impression que la crevette a pété un plomb. Je suis pas une crevette. Crevette. Toi, t'arrêtes de m'appeler comme ça, vu? Crevette, petite crevette, crevette. Je suis pas une crevette. Attention. Crevette, 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 crevette. Tom, tu peux arrêter d'embêter ta sœur.